DES, éclaire-moi sur le sujet. La nouvelle rubrique éco-responsable sur Top Musique. Patricia Freeman, bonjour. Vous êtes chef de projet à AES et on va parler aujourd'hui de la facture électronique. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi il y a aussi peu de gens qui passent à la facture électronique? Ça paraît tellement simple. Oui, c'est vraiment simple, mais je pense que les gens n'en font pas une priorité. On a toujours plus important à faire que de se consacrer à ce petit geste-là, qui est d'aller dans son espace client, choisir la facture électronique. Du coup, ben, effectivement... C'est le fait que ce soit sur Internet qui freine, à votre avis? Peut-être le fait que ce soit sur Internet, mais je pense vraiment que c'est le geste. C'est le temps qu'on se dise, je vais me poser et je vais aller souscrire à la facture électronique. Je vais décider de passer à la facture électronique. On a toujours Parce que si on résume, c'est relativement simple. On va dans son espace client sur es.fr, on rentre son numéro d'abonné. On n'aura plus besoin de ça sous peu. Hein. On se présente par son adresse mail. Donc vous accédez à votre espace client. Et puis une fois que vous y êtes, vous avez un petit onglet service dans lequel vous trouverez tout simplement tous les services qu'on vous propose, dont cette facture électronique. Et on peut également payer en ligne? On peut également payer en ligne. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que ça deviendra obligatoire un jour? Alors, pour les particuliers, non, je ne pense pas que ce soit obligatoire. La seule chose obligatoire aujourd'hui, c'est que la facture numérique soit identique à celle qu'on envoyait au format papier. Donc ça l'est. En revanche, c'est un peu différent pour nos clients professionnels. Puisque pour eux, on peut leur imposer la facture électronique. Ce n'est pas le cas pour AES aujourd'hui, nous ne l'imposons pas. Chez AES, on n'impose pas. On propose. On propose, le client dispose. Alors, on dit que c'est un geste pour la planète que de passer à la facture électronique. C'est vrai? Oui, c'est un petit geste. À l'échelle d'un individu, c'est un petit geste. Mais on peut tout à fait se convaincre qu'à l'échelle de tous nos clients, ça devient un vrai geste qui limitera l'abattage des arbres, qui limite aussi la production de CO2, celles qui sont notamment dues au transport. Et voilà, donc si on cumule, enfin cet effort cumulé à l'échelle de tous nos clients, ça devient un vrai geste. Et on pourra diminuer l'empreinte écologique, effectivement. À condition de ne pas l'imprimer une fois qu'on est à la maison. C'est clair. Dans l'idéal, c'est de ne pas l'imprimer du tout. Évidemment, on peut avoir besoin de cette facture comme justificatif. Donc à ce moment-là, on va en imprimer une ou un justificatif de contrat. Mais dans l'idéal, on n'y touche pas, on la laisse dans l'espace client, elle est là, elle attendra le client pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, je peux avoir accès à tout mon historique de facture, je peux revenir même 5 ans en arrière si je le souhaite. Pourquoi 5 ans d'ailleurs? 5 ans, on a choisi ce délai-là tout simplement parce que c'est la durée de conservation légale d'une facture électronique pour un client particulier. Donc dans les faits, il n'aura jamais besoin de l'imprimer. Dès qu'elle va vivre 5 ans, au bout de 5 ans, il n'a plus besoin en théorie de la conserver. Donc on n'a pas besoin de remplir ses armoires de papier inutiles, de classer ses factures, elles sont déjà classées sur l'espace client sur es.fr. Donc de fil en aiguille, c'est pas si bête pour la planète. C'est pas si bête pour la planète. Merci Patricia. DES, éclaire-moi sur le sujet. La nouvelle rubrique éco-responsable sur Top Musique.